tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Le Centre de la Seine. Alors comme j'avais dit, une vidéo où je vais un petit peu montrer les dernières acquisitions que j'ai eues ces derniers mois. Hein. J'essaie maintenant d'en faire plusieurs dans l'année parce que sinon celle de Noël est beaucoup trop longue. Voilà, donc on commence tout de suite par des choses qui ne sont pas vraiment normales, même si les groupes le sont quand même un petit peu. Hein. Le dernier Amorphis, Halo. Moi j'aime beaucoup Amorphis, hein. Je trouve que c'est un excellent groupe vraiment de death mélodique. Hein. Tous les albums ont un petit peu tendance à se ressembler, mais bon, on n'est jamais vraiment déçu. Et celui-là est vraiment excellent, quoi. Le chant est sublime, hein. Ça passe quand même d'un chant bien agressif à un chant plus clair. Voilà. Les compos sont imparables, enfin, voilà. Bref, donc, franchement, une acquisition qu'on peut faire les yeux fermés, ou plutôt les oreilles fermées. Toujours dans le domaine voilà, des groupes que tout le monde connaît, mais bon, que moi j'achète à chaque fois. Donc c'est Nouveau Valetan, hein, non du black metal, franchement, pour moi c'est un des meilleurs groupes du genre. Hein. Alors c'est toujours sur Nuclear Blast, hein, comme quoi Nuclear Blast fait encore un peu de physique. Voilà, moi j'adore Valetan, même les albums des années 2010, donc c'est un peu décrié, comme The Wild Hunt. Moi je les trouve franchement sublimes. Et là ils sont revenus à un style un peu plus rentre-dedans, mais toujours aussi efficace. Hein. Et franchement c'est vraiment très 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 bon. Et les textes sont franchement recherchés, moi j'adore. Alors on va passer à des choses un petit peu moins connues on va dire. Alors je commence par la démo de Mess Mortuaire, alors qui est sortie sur CD. Là franchement pareil, c'est très 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 bon. C'est du black metal, mais vraiment bien, comment dirais-je, bien glauque, bien sombre. Enfin voilà, enfin, tout ce qu'on aime bien dans le black, hein, c'est là. Bon, petite bémol, il n'y a que 5 titres, hein, en comptant l'outro. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Hein, donc c'est disponible chez Michael Arcalon. Je vous ai mis le lien en dessous. Hein, mais franchement, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Et à mon avis, ça va vite partir. Alors, autre groupe que j'ai découvert lors du concert... à Lunéville le 7 septembre dernier, donc c'est Torment. Voilà, Torment, un groupe de death qui mélange un petit peu tous les styles, hein, de metal extrême, et vraiment très très bon. L'album s'appelle Occult, hein, la pochette est plutôt sympa, hein. Sur scène c'est excellent, et sur disque c'est tout aussi bien. Voilà, donc un quatuor à suivre, hein, franchement ça vaut vraiment le coup, hein, ça vaut vraiment le coup de suivre ce groupe qui est assez jeune, hein, je crois qu'ils ont que 3 ou 4 années d'existence. Voilà. Alors l'album La Rock and Shy, donc ça c'est un disque qui a été mis en scène, si j'ose dire, par donc Alexis Vaudard, donc le guitariste donc de Mortuary. Hein, voilà, donc il y a des reprises, il y a un peu de tout, il y a bon Epidemic de Slayer par exemple, About to Die, Le Travailleur d'Ombre, voilà, tout un tas de morceaux. Alors c'est pas que du hard rock, hein, c'est pas de l'extrême, mais franchement c'est vraiment excellent. Donc, l'idée voilà, c'est que les fonds puissent aider des maladies orphelines ainsi que la mucoviscidose. Voilà, donc il y a vraiment un bon, voilà, il y a vraiment une bonne idée derrière. Hein. Alors c'est produit apparemment en coprod avec Underground Investigation, donc l'association du groupe Gang qui fait également des concerts, qui fait un fanzine depuis des années et des années. Voilà, donc c'est pareil, c'est 10 euros. Hein, franchement, c'est un bon geste, hein, que d'acheter ce petit CD. Alors, je vous avais parlé, vous savez, c'est la vidéo sur les compiles, et ben j'ai reçu voilà, Xenocorp qui fait également des compilations de ses meilleurs groupes, meilleurs morceaux. Alors, là-dessus, ben, on va trouver du Catacomb, on va trouver du Mortuary, on va trouver du Skinhead, Despicable of Gerb, Disable, Orthos, enfin, Putrido Fall, enfin, Merciless, voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc je pense que le CD est envoyé lorsque vous faites une commande chez Xenocorp, hein, voilà, peut-être voir avec eux. Bon, en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Si vous ne connaissez pas du tout ce label, eh ben, ça vous permettra de voir un petit peu tout ce que l'on peut trouver chez eux. Il y a vraiment, voilà, je ne vais pas vous faire de dessin, mais il y a vraiment des sacrés groupes chez eux. Voilà. Alors, on sort un petit peu du champ du métal avec le premier album donc, d'Anozel, donc Palace Club. Alors Anozel, c'est un groupe que je connais bien parce que le bassiste quelque part fait un peu partie de ma famille, c'est le filleul de mon épouse. Bon, Franck, là aussi, ça sort des sentiers battus, hein, on n'est pas dans le métal pur et dur, hein, bien au contraire, mais là aussi, c'est franchement bien. Hein, voilà, si vous avez un petit peu d'ouverture musicale, bah, n'hésitez pas, hein, à l'écouter. Bon, il n'y a que 5 titres, hein, c'est vraiment mini-CD. Mais là aussi, hein, c'est un achat qui peut être vraiment intéressant. Hein, et puis de toute façon, soutenir les groupes français, c'est mon dada.
Alors, au niveau réédition, eh bien, donc Chaos Decibel et The Ritual Production a réédité donc les premiers efforts de Penetrator. Alors, il y a les démos, donc First Penetration, Wishing, Just a Real Soul, et puis le mini LP Now. Hein, en gros, voilà tout ce qui est avec la grosse voix de Carol, hein, qui n'a pas l'album dessus. Et puis en bonus track, on a donc un titre, une reprise de Slayer, donc Black Magic, hein, en live. Qui a été enregistré à Strasbourg en 1989. Voilà. Donc pareil, hein, superbe livret avec voilà des reproductions des pochettes de l'époque, des photos. Enfin voilà. Donc pareil, hein, si vous êtes fan de l'Underground, eh bien c'est vraiment eu un achat indispensable. Hein, d'autant que alors c'est vrai que l'album était, enfin la petite album était attendu depuis longtemps. Ah, bon, la pochette a été dessinée par Caro il y a, pareil, à mon avis, un bon bout de temps. Alors, petit oubli que je vais réparer. Donc, l'album, je prends ça à la française, donc, de 1917. Alors, c'est un groupe de death metal argentin qui chante en espagnol. Et il a la particularité, eh bien, en France, d'être distribué par Holy Records. Et surtout, eh bien, sur un des titres, Ancient Wounds, eh bien, on a Philippe de Misanthrope qui pose sa délicate voix. Alors c'est vraiment excellent, hein, c'est pour un souhait, il n'y a que deux musiciens pour faire tout le taf, mais franchement ils font très 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 bien, et voilà, si vous avez envie un petit peu d'exotisme, si j'ose dire, après du def d'espagnol, c'est pas si courant que ça, franchement ça vaut le coup, c'est disponible chez Holy Records. Alors un CD que j'avais récupéré il n'y a pas longtemps, alors j'avoue je ne connaissais pas du tout, hein, voilà, c'est Catamenia, bon pareil, c'est un excellent groupe de black metal du début des années 2000, hein, c'était sorti chez Massacre Records. Voilà, bon, c'est la suite d'un échange que j'ai pu l'obtenir. Bon, je ne sais pas si ça se trouve très très facilement, mais franchement, là aussi, hein, y a de quoi faire. Hein. C'est vraiment un excellent groupe de black, vraiment typique des années 2000, hein, avec pas mal de passages un peu atmosphériques. Hein, voilà. Franchement, c'est très 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 bon, hein, donc Catamenia. Alors, d'autres disques que j'ai pas trop le temps de présenter, mais je vous le montre maintenant. Donc, Acroma. Hein, l'album d'Acroma, Apocalypse, un groupe français qui a la particularité d'avoir Alain Bob Germonville, donc le frère donc, de Patrick de Mortuary, au chant. Là, pareil, si vous aimez donc, le métal avec un chant assez aigu, franchement, là aussi, c'est très très bon. Les titres sont longs, il y a beaucoup de recherches dans la musique. C'est, franchement, là aussi, c'est un bon groupe. Alors, c'est vrai que c'est un album qui a été enregistré il y a déjà un bon bout de temps, hein. Juste pour la petite anecdote, c'est Dirk Verbeuren qui a enregistré les parties de batterie. Hein, bon, vous savez, Dirk Verbeuren, c'est le nouveau batteur de Megadeth, hein, voilà, qui a été quand même un moment sur la Lorraine pendant un bon bout de temps. Franchement, c'est très 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 bon, il y a un gros gros travail dessus. Bon voilà, donc ça, si vous le trouvez, n'hésitez pas. Hein. Et puis là c'est pareil, celui-ci ça fait un bout de temps que je l'avais, hein, c'est l'album d'Imperial qui était sorti sur Chamber of Death, hein, donc le label qui a sorti notamment cette super compilation We Are French Fuck You, la troisième est en préparation, hein, voilà. Donc là aussi, donc Chaos, un album un peu inclassable, hein, ça passe un peu par tous les styles, moi je trouve qu'il y a des passages black, des passages death, hein, là c'est vraiment très 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 bon, hein. Les paroles là aussi sont assez brutal, assez rentre-dedans, assez recherché. Ben voilà, il y a vraiment un excellent... c'est un album un peu malsain, hein, si j'ose dire. Mais là aussi, si vous aimez vraiment l'extrême français, il n'y a pas à tortiller. C'est un truc qu'il faut avoir. Alors, je ferai une vidéo bientôt sur Metal Exhumator. Alors, Metal Exhumator, c'est un label qui a sorti le CD live de Shud, ce qui est sorti en 33 tours, la sortie en CD, ou les réductions de Cardiac Seize. Alors, son géniteur a eu la gentillesse de m'envoyer pas mal de trucs, donc par exemple Swamp Terror, les deux albums donc, de Sulfura, les deux albums de Grazette, enfin, voilà. Donc je ferai une vidéo dédiée, hein, à ce label, donc je présenterai plus en détail ces albums, il y a encore d'autres petites choses hein, que j'ai dû oublier, enfin voilà. Et en tout cas, là c'est pareil, je vous mets le lien en dessous, hein, mais il y a de quoi trouver des trucs vraiment sympas. Alors, passons au vinyle. Donc, tous les ans, donc, c'est vrai qu'il y a sur Charme, il y a un gros vide-grenier et il y a un type qui vient, qui a toujours des trucs sympas à présenter. Donc cette année, je me suis laissé tenter eh bien, par Balance and Force, Exciter. Hein, bon, voilà. Je pense que tout le monde connaît Exciter, mais
hein, ils sont batteurs-chanteurs, voilà, superbe groupe de heavy et vitrage des années 80. Ce JBH, voilà, franchement, ça j'adore, hein, JBH, hein, hein, Midnight Madness and Beyond, bon, c'est pas là-dessus qu'il y a CDB Battle Brothers, mais bon, c'est pas grave, hein, l'album est vraiment très 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 bien. Et puis, bon, là, ça va peut-être vous surprendre, moi je suis un grand fan de Cinderella. Je trouve que le look ne rend pas trop justice à leur musique, hein. C'est pas du glam, hein. On est plutôt vers, on va dire, du hard rock assez assez péchu, hein. Le chant, moi, me fait penser de temps en temps un peu à AC/DC. Enfin voilà. Donc honnêtement, là, j'étais très content de trouver ce disque-là, hein, parce que je l'avais qu'en cassette, hein, et sur un CD qu'on m'avait gravé. Donc là, au moins comme ça, j'ai un original. Mais non, ce sont tous des originaux. C'est pas des rééditions. Alors, la réédition, bah justement, bah tiens, on va parler réédition avec Catacombe et Xenocorp, qui a également réédité donc les deux démos, alors les originales cette fois-ci, donc In the Maze of Calaf et The Locker of the Threshold, donc en vinyle, hein, 33 tours, excellent 33 tours. Alors bon, je possède maintenant, voilà, je les ai sur tous les produits, je l'ai en CD, je l'ai en cassette, je l'ai en vinyle désormais, bon voilà. Mais là aussi, hein, tout fan de métal, un peu collectionneur, eh bien, se doit de trouver ça. Autre réédition, là j'ai trouvé ça un petit peu par hasard sur la liste de Steel Shark Records, hein, ce sont les premières démos, une partie des premières démos de Superation. Donc il y a Soul Sea Obsession, hein, en face A, donc le classique qui était sorti en CD en 90, et puis l'Official Rehearsal qui était sorti un petit peu avant, hein, avec voilà, des morceaux comme All of the Contamination, Temple of the Cloratory, et ainsi de suite. Voilà, excellent. Et ce qui est franchement sublime, c'est que non seulement il y a le disque évidemment, mais on a une interview en anglais du groupe, hein, avec une petite bio, enfin voilà. Donc vraiment un gros un bel investissement, je n'ai pas eu pour très cher en plus, hein. Et je suis très très content d'avoir trouvé ça. Donc c'était sorti chez Extreme Music, hein, en 2011. Hein, voilà, bon, ça peut encore se trouver. Et puis dernière chose, vous savez, je vous ai présenté l'album de Voriz donc en CD. Bon, eh bien, il est sorti donc en vinyle, limité à 300 copies, hein, avec un petit poster, hein, de quoi égayer votre chambre, hein. Et puis les paroles, hein, parce que sur le CD, il n'y a pas les paroles, et bien là, il y a les paroles, les sublimes paroles, bref. Elles sont cachées par là, les voilà, donc les paroles, voilà, donc des différents morceaux, hein, et puis voilà, une petite pochette avec les musicaux dessus. Voilà, et évidemment, comme je suis quelqu'un qui aime bien avoir sur tous les supports, et bien Voriz a également sorti ce Chapter 3 en cassette, là c'est limité à 100 exemplaires, hein, voilà. Donc voilà pour cette vidéo donc de poseur, hein, comme j'aime bien les faire. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces trouvailles, de ces achats. Est-ce que vous avez des trucs de ces groupes que je n'aurais pas forcément? Voilà, n'hésitez pas à commenter en dessous, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je rappelle, je tente d'atteindre les 1000 abonnés. Bon, là, ça monte tout petit à petit, hein, tranquillement. Je doute pas que j'y arriverai bien un jour. Allez, salut!